Allez, salut à toutes et à tous, bienvenue sur le live, merci de passer, ça fait plaisir, j'espère que vous allez bien les amis. Je vois que vous êtes nombreux, ça fait plaisir. Salut à toi Moussa, salut à toi Toto, et salut bébé, alias Julien, comment vas-tu? Moi pour ma part ça va nickel, je te remercie. Et toi, comment ça va mon petit bébé? Ça fait Mon petit longtemps, bébé. c'est ça. Alors aujourd'hui on va aller sur un jeu. Moi j'ai connu le premier opus, hein, Mountain Blade Warband. Bien évidemment, il n'y a pas très longtemps, Mountain Blade 2 Bannerlord est sorti en accès anticipé. Donc bah, je vais vous proposer un petit stream dessus, un petit stream de découverte. D'accord? On va voir la popularité que la vidéo a eue. Dans les commentaires, si je vois que vous m'en redemandez, bah, on continuera l'histoire. On va essayer de modéliser Godefroy le Hardy, qui est Godefroy de Montmirail, donc Jean Reno dans Les Visiteurs, et on va essayer de faire sa petite épopée. Voilà. Comment va Juju de la part de Toto? Coucou Joe Juju. Moi ça va nickel, c'est nickel mon petit Julien. Tu live sur quoi Joe? Sur Mountain Blade de Bannerlord, mon petit Moussa. Mais je vais laisser la parole sans plus attendre à Juju. Voilà, donc Quand même. salut à tous. Donc je vois qu'il y a déjà Moussa, Toto, bébé qui est sur le live. Donc salut à vous, merci de passer, ça fait plaisir de votre soutien. Pour votre soutien, merci beaucoup. Et oui, bah pour répondre à Toto, je vais très bien. Merci beaucoup. Donc voilà, et donc Ok. j'espère que cette nouveauté va vous plaire. Et oui, je propose qu'on passe à l'écran de jeu. Donc voilà, l'écran de game. Hop, alors non, je le dirai toujours, merci à vous les copains. Ah, c'est gentil mon petit Toto, c'est gentil. Allez, sans plus attendre, je vais lancer Mountain Blade. J'ai vérifié tout à l'heure, je l'ai lancé vite fait tout à l'heure pour faire des petits réglages son, graphique, tout ça, voir ce qu'on peut faire. N'hésitez pas à me dire si le son du jeu il est trop fort sur tous les loups. Ok. Salut Jean-Claude, comment Salut vas-tu? Jean-Claude, bienvenue sur le live, merci de passer, ça fait plaisir. Comment vas-tu mon petit Jean-Claude? Ben alors moi, petite précision, je préfère quand même vous prévenir dès le départ. Je vais rester un peu sur le live avec vous, mais peut-être pas jusqu'au bout. Parce qu'après, je vais aller un petit peu avec ma petite fille, jouer avec elle et prendre l'air. Voilà, donc voilà, je vais être partagée un petit peu là. Eh oui. Kimi Joe en mode frousse pour moi, c'est ok. Vous allez bien les loulous? Ouais, ça va nickel Kimi et toi? Comment vas-tu? Très bien. Depuis hier soir, comment vas-tu? Allez, le jeu est. Donc il peut y avoir des bugs, des crashs, des choses comme ça. Hein. Le jeu est en accès anticipé, hein, donc on sait ce que ça veut dire. Hein. Le like de ma part. Ah, merci Kimi, merci de ta part, c'est très sympa. Merci de ton soutien, Kimi. Toujours le Merci pour petit ton petit pouce en l'air. Et soutien. ça va, et vous autres? Bah écoute, ça va nickel, Jean-Claude. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ça va nickel. Toi, ça va, c'est le principal, c'est ce qu'il faut. C'est Toto, bien. Coucou, frérot, bébé. vrai. Donc c'est en chargement, hein, les amis. Moussa, moi je me suis dit, il est samedi, peut-être joue au live. Mais il live. Oui, voilà, Eh oui! on live T'as vu? l'après-midi. T'as vu mon petit Moussa? Et salut à toi utilisateur masqué, bienvenue sur le Voilà. live, merci de passer, ça fait plaisir, j'espère que tu vas bien. Salut utilisateur. Ah Kimi, ça va, merci. Bah c'est nickel. C'est nickel, c'est ce qu'il faut, ma petite Kimi, c'est ce qu'il faut. Voilà, je sais pas si vous avez déjà joué à ce genre de jeu ou au premier opus, le Mountain Blade Warband. Moi personnellement je l'ai saigné, je kiffais tellement, bon il y a quelques années maintenant, donc j'ai certainement perdu, bah, j'ai perdu beaucoup dans le gameplay hein, j'imagine, donc va falloir que je reprenne tout avec cet opus. Mais ça va être un plaisir. Alors dites-moi surtout si le son du jeu est trop fort. D'accord? C'est très 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 important. Et c'est pas trop élevé, par contre les effets, tout ça, Ouais, je vais la juste baisser musique un aussi. petit poil. Ouais. Pour pas que ce soit trop fort. Les effets et la musique, ça à fond, ça va aller. Je reviens, ça roule, Pas de Julien, soucis. de rien. Vous allez bien? Bah ouais, on va nickel, et toi? Très bien, merci de demander, c'est super sympa. Oui, donc je disais les effets et la musique, c'est à fond, c'est pas gênant ça. Non, parce que j'ai mis le volume principal qui englobe tout. Allez,
On va donc dans les options, bah performance, bah moi ça s'est mis tout à fond. J'ai rien eu à toucher à part enlever le flou cinétique parce que j'ai horreur de ça, du flou cinétique. Et taille de la bataille, à la base il y avait que 500 soldats qui m'étaient de base affichés pendant la bataille. Moi j'ai mis 1000 soldats affichés. On va bien voir si le PC tient le coup. Voilà. Hier, j'ai bien rigolé, tu m'étonnes, Moussa. T'as kiffé le JT agité? N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir la rediff hein, sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas. Hein. Ouais, il faut y aller. Ouais. Ça vaut le C'est coup. au tout début. Hein, Ouais, donc. ça vaut le détour hein, pour vous divertir. C'est au top. Kimi, il y a un jeu que j'aime bien, c'est Assassin's Creed Odyssey. Je sais pas si tu as déjà eu l'occasion d'y jouer, Joe. Bah, si, si, on l'avait même fait en live, Kimi. On a fait Ça a pas un moment, mais 2-3 ouais. lives dessus. Il y a un bail, hein, C'est c'était à mignon. l'époque où il sortait. Bah moi ça va tranquille, bah c'est parfait, utilisateur masqué, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut, très cher Tant ami. mieux, tant mieux pour toi, alors c'est Toto, me cool. parlez pas du JT, j'y pense encore, mort de rire. Ah ouais, ça a Excellent. marqué. Faut Ceux le qui l'ont clipper, vu. faut le clipper sur Twitch, ce truc-là. Ouais, n'hésitez pas hein, à cliquer et puis partager. Yep. Alors dites-moi hein, si le son du jeu il est pas trop fort. Là vous avez la musique. Vous entendez une musique certainement. Faut pas que ça masque nos voix, quoi. Pas bête, yes Toto. Ouais, bah bête de le clipper. Ouais, voilà, c'est une idée. Hein. Si vous voulez que ça vous a plu, que vous voulez que beaucoup de monde le voit, n'hésitez pas à passer dessus, le clipper et puis le partager autour de Toto, son vous. nickel. Parfait. Bon, bah tant mieux. Si ça vous Non, on va pas convient, charger. on va y aller. Donc, on va faire Godefroy le Hardy, pour ceux qui ont connu le film Les Visiteurs. Ouais. Hein. Godefroy le Hardy, alias Godefroy de Montmirail, joué par Jean Reno. Donc, on va essayer de le modéliser. Pour ceux qui se rappellent à quoi il ressemble, on va bien rigoler, je pense. Et puis, j'espère que ça vous plaira. Et puis, on va vraiment essayer de rentrer dans le personnage. Donc, bourgeois Saint-Denis, que je trépasse si je faiblis, quoi. Hein. Ça, c'est clair. Oui, les visiteurs, c'est ça, Toto. Allez, culture du personnage. Donc, ça, moi, je me suis déjà amusé à regarder un petit peu. Donc faut savoir que le jeu est disponible qu'en anglais. Mais voilà, si vous avez besoin, moi j'ai trouvé un patch de une personne qui développe un patch français. Donc le jeu, si vous mettez le patch dedans, vous avez moyen de l'avoir en français, comme vous voyez. La traduction est pas à 100%, d'accord? Et il y a aussi des petites erreurs de traduction, mais ça aide vachement pour ceux qui sont pas Ouais. anglophones ou ceux qui parlent anglais mais qui n'ont pas envie de se casser la tête à traduire à chaque fois. Ben voilà. C'est une solution, une bonne Voilà, donc solution. si un jour vous avez ce jeu et que vous cherchez le patch. Je suis là, les amis. Donc, les Vlandes descendent d'aventuriers venus d'Occident qui vécurent sous la primauté de l'Empire pendant des siècles, puis s'émancipèrent peu à peu du pouvoir impérial et formèrent un royaume indépendant. La délinquance de l'Empire. La déliquescence, Déliquescence. pardon. La déliquescence. Waouh, je sais même pas ce que ça veut dire, tu Non, vois. moi non plus. La déliquescence de l'Empire Khalradic leur permit d'évoluer vers un système féodal structuré autour de seigneurs guerroyants, la lance à la main, les rênes dans l'autre. Et si vous prenez cette faction, vous avez un bonus en fait. Chaque faction octroie un bonus, celle-ci vous octroie un bonus de 20% d'expérience en plus pour les troupes lors des batailles. Donc ça c'est super intéressant, je vous le dis tout de suite, hein. C'est cette faction-là qu'on va prendre. Parce que c'est la faction qui se rapproche le plus des personnages dans les visiteurs, donc du Moyen-Âge Ouais. européen, on va dire. Toto, moi non plus. C'est quoi ce mot? Je ne sais pas. Déliquescence, hein. S'il y en a Déliquescence. qui voilà, qui ont la définition, ou sinon ouais, on va aller se renseigner hein. Ouais. Alors, Nous-mêmes. vous avez Godefroy, mais il va manquer Jacouille. Eh ben, Jacouille, Eh oui. écoute, c'est vrai que il y a un multijoueur, mais le multijoueur, je crois que c'est des batailles en PVP, quoi, l'un contre l'autre. Il n'y a pas de multi dans la campagne, en fait. On va On demander à va demander à Google. Eh Google, oui, voilà, tu c'est vois ce ce que qu'on. j'étais Ouais, en train de faire. déliquescence. Alors, pas cette Ouais, j'ai même page-là. j'essaye de voir même par rapport à la racine du mot mais délicat ouais, non la descendance peut-être Propriété qu'ont certains corps de se liquéfier en absorbant l'humidité de l'air. Au figuré, c'est la décadence complète, perte de la force, de la voilà cohésion. les cadences en fait Donc c'est la déliquescence, c'est comme la décadence en voilà. fait. Ouais. Donc voilà. C'est pour ça que d'ailleurs les Vlandes, du coup, on comprend maintenant pourquoi ils se sont séparés de l'Empire Khalradic, en fait. Parce que l'Empire est ici, en fait, hein, c'est une autre faction. Donc après, vous avez les Sturgeons qui octroient le malus de vitesse en moins
De 20% dans la neige, donc en gros, quand vous êtes dans le biome neige, vos troupes vont plus vite. Hein. Vont plus vite, ils sont impactés de 20% en moins de malus. C'est ce que ça veut dire. Donc voilà, ensuite vous avez l'Empire, donc d'où les Vlands sont tirés. Ok. Qui a des bonus également hein, sur la vitesse de construction pour les projets de ville, les réparations de murs et les zanzins. Les zanzins. Les zanzins. Les engins de siège. En fait, ils ont tous leur spécialité, en fait. Là, c'est Yes. plus Liveland, c'est plus tout ce qui est combat, C'est tout ce qui est ça. bataille. Et les Sturgeons, c'est plus tout ce qui est aventure dans la neige, enfin l'exploration, quoi. Ouais. Et Empire, c'est plus les architectures, tout ça, C'est ça. construction. Monsieur LOL, merci beaucoup d'avoir host la chaîne, ça fait super plaisir, j'espère que tu vas bien, bienvenue sur le live et merci d'host, ça fait super Merci plaisir, merci à toi. Lolo, monsieur LOL, pour le host. Yes. Allez, donc après vous avez les Azeraï. Les Azeraï, je pense que ça se dit Azeraï, hein. Pas Azeraï, mais Azeraï. Donc qui est l'Empire occidental, hein, oriental, pardon. Oriental, hein. Après les Cusettes, donc qui seront plutôt Puis les apparentés à cavaliers. l'Empire des Mongols. Tout simplement. Hein. Et les Batanois qui. Alors, je pense que les Sturgeons, ça doit être viking. Et les Batanois, un peu comme les Robins des Bois, un peu, vous voyez, Ouais, en forêt, tu les vois. gens des forêts, quoi. D'accord? Nous, on va Ouais. faire les Vlandes. Donc, les Vlandes, c'est seigneurie, chevalerie, et j'en passe. Salut les amis, comment vous allez? Vous, moi, bof, et un like de ma part. Salut à toi, King, bienvenue sur Salut le live. King. Merci de passer, ça fait plaisir. Et merci pour ton Ouais. like, merci pour ton soutien, merci à toi, c'est super cool de ta part. Et ah, toi Bof, bof, ouais. mince. Allez, on poursuit, hein. Donc on prend les Vlands. Donc voilà, les personnages, tout au hasard, n'y a pas de corps plus maigre ou. Ok. Donc, masculin, la voix. Voilà, alors. La voix, là, elle est trop haute. Alors, déjà, Godefroy était un personnage assez grand, Godefroy de Montmirail. La hauteur de la voix, il avait une voix plutôt grave. Voilà, là, on a la voix de Godefroy. Malheureusement, c'est en anglais, hein. Voilà. Salut à vous, mes gueux. Ah, Monseigneur. Monseigneur, lol. Bienvenue sur le live, merci de passer. J'espère que sa seigneurie s'installera dans son canapé royal et regardera le stream avec délectation. King Wimar, de pas pouvoir sortir et ma jambe me fait mal à Ah balai. mince. Jean-Claude mort de La rire. jambe toujours. Toto mort de rire, quel beau discours. C'est Hein? ça, Toto. C'est ça. J'espère que la qualité du stream, elle est bonne parce que sous les conseils de Monsieur LOL. On essaie une autre qualité, c'est-à-dire que moi jusqu'à maintenant je vous streamais en 720p, d'accord? Là j'essaie de stream en 1080p. Donc vous n'hésiterez pas à nous dire si ça pixelise trop ou quoi. Oui, bonne. Ah bah c'est parfait, Toto. Ok, alors Godefroy de Montmirail, bon il était pas jaune, hein, il avait pas le foie malade viticole. Lolo, il dit super propre aussi. Bah cool. Ah, nickel. Salut à vous mes bébés. King et salut à Lolo. Yes, allez, on poursuit. Hauteur, là, on est bien. On va commencer par la coupe de cheveux, parce que si vous vous rappelez, Godefroy avait une coupe de cheveux, ça s'appelait le bol poilu sur la tête. La voici. Voilà. La coupe au bol de Godefroy, vous pouvez aller voir, hein, Godefroy le Hardy ou Godefroy de Montmirail sur Ouais. Internet. Bah là Sa oui, c'est la coiffure, coupe au c'est bol. Oui, celle-là. carrément. Voilà. Et une barbe naissante, fortement naissante. Ouais, c'est celle-ci la mieux, visiblement. Trop de poils. Enfin, pas assez de poils. Celle-ci est Ouais, celle-ci. un peu plus sombre. Voilà. Donc, la personnalisation du personnage, elle est quand même énorme parce que là, je sais pas si vous voyez tout ce qu'on peut changer sur le personnage, quoi. La forme du visage, avec tous les potards. La forme des yeux, avec tous les potards. La forme du nez, avec tous les potards. La forme du bas du visage, menton, avec tous les potards. Donc, il y a de quoi faire. Il y a de quoi Y a Lolo qui dit oh la coupe, mort de rire. faire. On dirait Benji jeune. C'est ça. C'est ça. Alors, Monsieur LOL a essayé de Il a tenter essayé, le voilà. Sharky. Donc, Ouais. c'est un jeu qui est disponible sur Twitch. Vous avez juste à taper dans le chat la commande point d'exclamation Sharky. N'oubliez pas qu'il y a un cooldown de 30 secondes. Donc,
C'est qu'une fois toutes les 30 secondes, hein, vous pouvez le faire. Si quelqu'un l'a déjà fait, vous ne pourrez pas recommencer une fois. Glamoubot dit que Sharky, donc, voyez, Monsieur LOL tente de s'approcher discrètement de Sharky afin de l'observer. Et Sharky est occupé à regarder le live de Blue Lady Cool Sharks. Merci à lui, bienvenue sur le stream, hein, Sharky. Et Monsieur LOL passe derrière le canapé corallien et s'enfuit discrètement. Voilà. Mais Monsieur LOL, comme tu es modo, j'ai l'impression que ça va rester bloqué sur ça, Sur puisque ce tu es truc-là, ouais. protégé, par la protection divine du stream. Ouais, parce que normalement, voilà, vous avez plusieurs fonctions, ça va pas mettre tout le temps cette phrase-là. Il y a C'est ça. quatre phrases différentes, je crois. Oui. Quatre, voilà. Alors, largeur du visage. Godefroy de Montmirail avait un visage très étroit. Profondeur du visage. Hop. On va essayer de faire quelque chose de Ressemblant un ressemblant. Ça peu. va être compliqué. Hop. Les traits très resserrés. Un visage très allongé et des tailles très resserrées. Proportion du visage. Ouais, tu vois, par exemple, Toto, je pense que tu l'as fait un petit peu trop tôt. Parce que tu vois, du coup, Ouais. Lolo, il l'avait fait juste avant. Et ça faisait à peine 30 secondes. Donc. Eh oui. La coupe au bol avec une calvitie C'est ça. C'est morte. ça, monsieur LOL. Du coup, il retente Toto. Ouais. Ça, vraiment, ça devrait C'est fonctionner. ça. Mais après, hein, c'est Moubot, hein, donc c'est pas efficace à 100%. Oui, voilà. Faut toujours laisser bien 30 secondes passer. Hein. Hauteur des pommettes, alors Godefroy n'avait pas des pommettes bien hautes. Toto, moi, il m'aime pas, m'en dirait. Bah, ça fait 2 fois que t'écris, ça marche pas. Bon, la première fois, je pense que c'était un peu trop tôt, mais là, du coup, je sais pas trop. Eh oui. Oh, salut, Amoury, comment vas-tu? Hey, Merci de passer sur le live. salut à toi, bienvenue sur le live, merci de passer, ça fait plaisir. Et puis bah écoute, ça se passe nickel chez nous Voilà, ça va très bien. et toi et ta petite famille. Ouais. Hâte de se revoir, hein, de pouvoir se revoir du coup avec tout ça. Eh bien oui. Hop, largeur Je crois que détente. le bot il est en vacances, Lolo il C'est ça. C'est ça. Non, il est en confinement là. dit. Alors, Godefroy, il avait les oreilles un peu décollées, hein, les amis. Hop, avec des oreilles assez pas très Toto, grandes ouais, et mort une de rire, petite Lolo. asymétrie sur la droite. Voilà. Voilà. Alors, je me rappelle de ça, c'est pas parce que j'adulais le personnage, hein, on est bien d'accord, c'est parce que j'ai regardé une photo avant de démarrer le live tout à l'heure. Hein. C'est pas non plus un grand fan de Godefroy, hein, où c'est Godefroy, c'est pas son idole. C'est ça. Putain, la gueule de gueux, mort de rire, Lolo. C'est ça. C'est ça, Lolo. Les sourcils. Alors, Godefroy n'avait pas des sourcils très épais, mais un peu broussailleux. Ouais, voilà. Profondeur des sourcils. Du coup, très peu profond. Il avait pas. Jean Reno n'a pas les yeux. C'est pas creusé, hein, c'est vraiment devant. Alors, Amaury, très bien, je profite du soleil pour bosser sur mon terrain. Bah écoute, ouais, c'est clair, c'est T'as bien vachement agréable raison. en ce moment. Ouais. Tout le monde va très bien, merci. Et oui, hâte qu'on puisse se revoir. Bon bah tant mieux si tout le monde va bien chez toi aussi. Et c'est vrai que ouais, on pourra se revoir, ça sera cool. Bah même en général, revoir la famille et les amis, déjà, on va bien apprécier. Oh, GG Jean-Claude pour ton level 3 sur Mikuya, GG à toi. Yes, GG à toi. T'as des yeux monolithiques. Alors, je sais même pas ce que ça Il veut a dire. pas Ah des oui. grands yeux, Jean Reno, Non, 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 mais non. rond, un peu rond par contre. Non, pas si Non? rond que ça, ouais, Ouais. j'ai regardé, ils Des sont petits plus yeux. comme ça, tu vois, Ah en ouais. amande, Ah ouais. oui, d'accord. Enfin, ça Ouais. c'est l'effet des lunettes. Hop, hauteur des paupières. Lolo qui met Monsieur Boule. Lolo. Monsieur Boulard. Ah oui, d'accord, excusez-moi. Monsieur Boule. Oui, là, c'est une petite référence justement au JT d'hier soir, pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Donc en début de live C'est ça. et pendant la pause, en milieu de live, il y avait un JT. Donc qui a été. C'est un petit montage. Ça dure pas très longtemps, peut-être 3-4 minutes, quoi. Ouais. 4 minutes, mais c'est rigolo. Et si vous voulez vous divertir, n'hésitez pas à retourner voir la rediffusion, à aller voir la rediffusion de notre live d'hier soir. Et puis bah pour regarder ce passage, quoi. Et oui. Et puis, si ça vous plaît, vous pouvez le clipper, ce passage, et puis le partager autour de Hop, asymétrie des vous. yeux. Pareil, hein, le compteur Utip, voilà, il était monté depuis. C'est vrai qu'hier, il y a eu Kimi, tout ça, qui avait regardé des pubs.
Donc là, on est à 440. Oh, Donc bien. merci beaucoup à ceux qui regardent des pubs aussi sur YouTube. Ouais, Et c'est n'hésitez gentil. pas à y passer de temps en temps pour nous soutenir. C'est aussi une marque de soutien. Toto, ça recommence, mort de rire. Allez, on Donc s'attaque au nez. j'imagine Joe chauve, mort de rire. Oh, ça lui irait pas. Toi chauve, ça t'irait Chauve, pas. ouais. Non. Non, monsieur LOL, moi je sais me servir d'une tondeuse. Oh non. Ok, il me semble qu'il avait un nez plutôt assez imposant, notre très cher Godefroy. Alors, GG à Mori pour ton level 2 sur Mikuya. GG à toi, GG à toi, Mori. Mori. Et Toto, mort de rire, c'est Claire Joe. Non, je pense que ça ferait bizarre de te voir chaud. Oh la vache! Ah bah là, on c'est le lit de Cyrano, là. C'est C'est ça, Cyrano, là, c'est plus Cyrano lui. de Bergerac. Alors on va diminuer un petit peu les amis. Ouais. Faut pas exagérer non plus. Non, quand même pas. Voilà. Oh Lolo, il a une tête de Sarthe, le gueux, mort de rire. Bah, et ça va, Lolo? Quand même. Lolo, Une tête de Sarthe. on va avoir une explication, toi et moi. Hop, taille des narines. Et Toto qui dit plutôt de Parisien, moi je dirais. Ah, merci Toto. On nous défend, on nous défend. Mais en tout cas, Lolo, tu aimes bien venir en Sarthe, hein, donc arrête de critiquer, hein. Ça te plaît, ça te dépayse, ça te repose, et puis bah voilà, hein, les 24 heures, le karting, tout ça, Eh c'est oui. bien sympa, hein. Ah, puis il avait une petite asymétrie vers la gauche du nez. Lolo, il dit les Parisiens sont chauds, mort de rire. Toto, oui, je te défends, Joe. Alors, type de dents, faut des dents Ah un la peu vache. pourries. Enfin, Ah, bah, pas y a pourri, pas de dents pourries, mais c'est mais. celle-là. Un peu tachée. Ouais, voilà. Hein. On se rappelle dans Les Visiteurs, c'est de la pâte à Les toilettes des 24 heures camion, mort de rire, que des beaux gosses dedans. Ah ouais, putain. Et que des tableaux d'exception de grands maîtres qu'on pourrait afficher au Louvre. La vache. Alors, petite bouche, Jean Reno. Hein. Assez loin du nez. Jean Reno plutôt pas fin dans le film. Épaisseur des Il lèvres, sévère. pas très épaisse les lèvres, hein, très occidentale. Avancée de la bouche. Alors, l'avancée de la bouche. Non, peut-être pas quand Ouh, bisous. même. Fais bisous. Est-ce que tu veux faire un bisou? Oh, salut Sam, merci à toi de passer sur notre live, c'est super sympa. Lolo, petit pilote, il a mis. Alors, continuons. Il fait un peu la gueule quand même, la doudou, non? Ouais. Hop, comme ça. Ah ouais, ça va. Là, on a une C'est mieux. neutralité où il fait C'est un peu mieux. la gueule. C'est Ouais, là, c'est bien. Ouais. Ah oh, non. Pourquoi il pince des lèvres comme ça? Il a un problème, lui. C'est parce que t'as mis la lèvre supérieure au-dessus de. Enfin, si tu grossis plus la lèvre du bas, bah ça va aller par-dessus l'autre lèvre. Lolo has donated Oui, ça 4,85 €. c'est Lolo qui fait son. Qui s'amuse à écrire ça dans le chat. Ok. Bah, je dis pourquoi il écrit ça. Kimi, juste petit Kimi, passage, les amis, bon live. Merci Kimi. merci beaucoup, Kimi. Bonne journée à toi, merci d'être passé sur le live et merci pour ton pouce en l'air, hein, ça fait Voilà. super plaisir. Comme d'habitude, merci de ta fidélité et de ton soutien, Kimi. Hop! On va y arriver à nous faire notre Godefroy de Montmirail. Sam qui dit, où sont ces gueux, ces poulardes qui m'ont mis en appétit? C'est ça, ce sont les poulardes, j'ai faim! Ah, Godefroy, que tu es beau, Godefroy. Godefroy de Gollum. Lolo et Joe, on voit pas les commentaires YouTube, c'est normal? Sur Twitch, ouais, ça doit être normal. Ouais, ça. Sur Twitch, Ouais, je ouais. suis désolé, des fois ça bug. Hein. Ah oui, sur le live, peut-être. Ah bah Ouais, ouais. sur le live là, Bah ici. pourtant Sam, moi ouais, il est sur YouTube et on le voit. Mais Ah oui, aussi. d'accord, Donc ok. c'est bon, non, non. Ah bah c'est C'est bon bon. alors, C'est Lolo. bon Lolo, on les voit. Ils apparaissent bien.
Saillie du menton. Après, ça pourrait arriver que oui, de temps en temps, il y en ait qui sautent, hein, ça peut arriver. En général, Hop. ça va. Forme du menton. Alors, il avait un bon menton, hein, Jean Reno, quand même. Et avec une bonne longueur de menton, Jean Reno. Toto, moi je vois les commentaires, ouais, tu vois, il dit qu'il voit bien les commentaires, il n'y a pas de souci. Par Mais contre, tu vois, c'est dommage, on peut pas changer la carrure du personnage. est-ce que Jean Reno, il est pas très balèze, il était pas très balèze, il est grand, Ben mais il ouais. n'est pas balèze. Mais bon, c'est pas grave. Ah, la tenue, toi. Oh non. Godefroy de Montmirail. Donc ça, c'est bon. La coupe, on est OK. Hein, Ouais. on garde ça comme ça. Donc voilà. Voilà le Godefroy de Montmirail final Ça ressemble un petit peu pour au Mountain style. Blade. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça Par contre, les cheveux, ils sont pas de cette couleur-là. sont plus clairs, non? Marron. Jean Reno, il a les cheveux comme ça. Aussi clair que ça? Ouais. Ouais. Si je reprends une photo. Si je reprends une photo. Ouais, c'est marron clair, ouais. Voilà, C'est marron Godefroy. clair. Vous voyez Godefroy là? Voilà, on a essayé de faire le plus ressemblant possible. Bon, Bah, à sans partir d'un trop. jeu, c'est Voilà, puis compliqué, sans hein. trop ressembler non plus, parce que le but, c'est pas de faire le visage de Jean Reno non plus. Hein. Mais niveau du style, que ça se rapproche, quoi. Allez, suivant. Alors, attends. Il me demande pas mon prénom dans le délire là? Ça doit être plus tard alors. Bah peut-être, ouais. Suivant. Ouais. Donc ici, c'est votre histoire, entre guillemets. D'où vous venez, comment vous avez passé votre enfance, votre adolescence, votre vie de jeune adulte. Et vous avez des choix en fait. Et dans chacun des choix, ça va vous octroyer des statistiques en fait, des points. Donc serviteur d'un baron, vous voyez, ça donne 10 niveaux de compétence et un point de focalisation sur l'équitation et l'arme d'Ast. Un point d'attribut sur social. Vous gagnez en endurance pour les chevaux, vous gagnez en armes d'Ast, vous montez en social. Donc c'est plutôt pas mal. Moi j'ai déjà feuilleté tout ça, hein, j'ai comparé un petit peu. Bon, moi je sais que je veux. Moi, Godefroy, c'est un guerrier, les amis. Hein. C'est simple, il est là pour casser des. Il est là pour péter des nez et péter des clavicules, on est bien d'accord. Donc moi ce qui m'intéresse, c'est l'épée à une main avec un bouclier. Ok, Godefroy le Hardy, c'était ça, hein, épée, une main, bouclier. Donc c'est ça que je vais privilégier, l'équitation. Et le reste, bah, ça va être un petit peu du hasard. C'est vrai que normalement, il faudrait s'y pencher. Malheureusement, c'est assez compliqué de tout décider. Donc voilà. Donc là, je vais prendre serviteur d'un baron. Donc je suis né dans une famille de serviteurs d'un baron. Suivant. C'était celui qui se rapprochait le plus de Godefroy, alors. C'est ça. Et D'accord. ce qui est marrant, c'est qu'il modélise votre personnage quand il était jeune. D'accord. Voilà. Donc là, il ressemble à un extraterrestre un peu, mais c'est pas grave, il est moche. Hein, mais Vrai qu'il a une drôle de tête, quand ouais. même. Choisir votre petite enfance. Vous voyez, la traduction est pas parfaite. Okay? C'est un patch créé par un joueur. Hein. Enfant, vous vous êtes fait remarquer pour vos compétences de commandement. Donc là, ça me donne des compétences ici. Moi, ce que je vais viser, c'est là-dedans. Hein. Votre vigueur, donc là, arme à deux mains. Votre souci du détail. Et là, j'obtiens des points pour l'épée à une main. Là, ça m'intéresse. Votre aptitude pour les nombres. Votre comportement avec les gens, etc. Bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est. Habileté avec les chevaux, t'as regardé ce que ça donnait? Ouais, bah, c'est dans Ouais, il n'y a l'équitation, pas hein. de Ouais, vigueur. Non, il n'y a pas du y a tout de pas vigueur. de. Ouais. Ouais. Donc, moi, ça va être votre souci du détail. D'accord? Donc, on continue. Votre adolescence, il est toujours aussi moche. Mais on va choisir, donc comme tous les enfants du village, vous avez passé votre enfance dans les champs. Mais aussi à élever des moutons. Ça sert à rien. Non, mais regarde les points que tu veux aussi. Ouais, bah là j'ai regardé, ça me donne pas ce que je veux. Travailler dans la forge du village. Ah, Là, il ah, commençait à avoir de la trois. vigueur. Vos jeux de construction. Donc là, c'est dans l'endurance hein, qui va évoluer et dans l'intelligence. On n'est pas là pour être intelligent, on est bien d'accord. Récolter des herbes dans la nature. Donc là, c'est la ruse que ça va faire évoluer, l'intelligence également. Chasser en petits groupes. Et là, vous augmentez l'arc.
Donc ça m'intéresse, parce que le dernier, c'est vendre des marchandises, tout ça, donc là, c'est dans le social. Là, dans les armes, ce qui m'intéresse vraiment, que ça me donne dans les armes, c'est pas l'épée à deux mains. On est bien d'accord, moi, l'épée à deux mains, mais ça m'intéresse pas du tout, quoi. Sans bouclier, ça va être injouable. Je suis pas fort à ce niveau-là. Donc, du coup, je vais prendre un petit peu de compétences dans l'arc. Donc, D'accord. chasser en petit groupe. Hop. Et choisir votre jeune. Donc, ça, c'est jeune adulte, hein. Il sort de l'adolescence, jeune adulte. Donc, en tant que jeune, en Calradia, la guerre n'était jamais très loin. Vous avez servi comme serviteur d'un baron. Vous entraînez avec la cavalerie. Faisiez des tours de garde dans votre ville. Vous avez chevauché avec les éclaireurs, qui donnent de l'enduit et de l'arc. Vous entraînez avec l'infanterie. Donc là, l'infanterie, ça me donne vraiment du gros bonus en vigueur, donc ça m'intéresse. Avez rejoint les escarmoucheurs. Donc là, c'est dans le contrôle, hein, vous allez augmenter. Moi, ça va être m'entraîner avec l'infanterie. Ok, moi, ce qui m'intéresse, c'est le cac, quoi. On poursuit. Le jeune adulte. Donc, tout à l'heure, c'était la fin d'ado. Donc là, c'est début de la vie adulte. Avant de vous lancer dans une vie d'aventure, votre plus grande réussite a été, vous avez vaincu un ennemi au combat. Donc là, ça me donne ce que je veux, la vigueur. Donc vous savez que c'est ça que je vais prendre. Vous avez mené une chasse à l'homme réussie. Vous avez investi de l'argent dans le territoire. Vous avez chassé un animal dangereux. Vous avez eu une fameuse escapade en ville et vous avez bien traité les gens. C'est vrai, bien traiter les gens, c'est bien pour le social, l'intelligence, tout ça. C'est vrai que c'est pas mal. Et je pense que je vais prendre ça parce que Godefroy, mis à Oui. part ça, c'était une bonne personne. Ouais. Même Il si en je faut un peu de récupère pas social encore aussi. de points pour l'arme à une main, le maniement de l'arme à une main et un bouclier, pas très grave parce que là, je vais récupérer un peu de social et de Ouais. l'intelligence. Et c'est vraiment les deux endroits où j'avais rien du tout. Ouais, parce qu'il en faut aussi. Voilà. C'est vrai. Hop. Alors Alors. déjà. Tac tac, moi je vois. Je vous laisse les amis, à Ouais. plus tard. Ça roule Toto, à Salut plus tard. Des Toto, gros à bisous plus à tard, toi. merci d'être Merci d'être passé. passé, ça fait plaisir. Et félicitations à vous, vous avez déjà atteint les 100 messages sur le chat. Félicitations, Le merci. stream, il est commencé Merci. depuis une demi-heure. Vous êtes déjà à 100 messages, vous êtes des fous. Voilà. Donc là, choisissez votre histoire. Il y en a des choses à choisir, mine de rien, Ouais, j'ai un pour début de jeu. établir le personnage, ouais. Ouais. Ça, lui, il est censé être mon frère, en fait. D'accord, D'accord. c'est censé être mon frère. Donc, comme beaucoup de familles en Caldradia, votre vie a été bouleversée par la guerre. Votre maison a été ravagée par le passage d'armée après armée. Finalement, vous avez vendu votre propriété et êtes parti avec votre. Ah non, votre père, c'est mon père en fait. C'est mon padré, tu vois. Votre mère, ok, j'ai emmené moi. Et votre frère et vos deux jeunes frères et sœurs. Putain, ils sont combien dans la famille Ils là? Alors, du coup, je sais sont plus qui trois, sonne. quatre. Ils sont quatre. Donc ils sont partis dans une nouvelle ville dont vous aviez entendu dire qu'elle était plus sûre. Mais vous n'y êtes pas parvenu. En cours de route, l'auberge où vous logiez a été attaquée par des pilleurs. Vos parents ont été tués Ah. et vos deux plus jeunes frères et sœurs saisis. Mais vous et votre frère avez survécu parce que Ah, donc c'est ton frère. c'est mon frère. Parce que on a survécu parce qu'on a poignardé un pillard. Donc là, vous voyez, ça me redonne le point que ça m'intéresse, qui m'intéresse avec de l'endurance. D'accord? Vous les avez chassés avec des Donc ça va flèches. donner des points d'arc. Voilà. Vous êtes parti sur un cheval rapide, Non, bah de l'équitation et l'équitation. de la ruse. Vous avez trompé les pillards de La la ruse. ruse. Vous avez organisé les voyageurs pour vous échapper. Donc social et... Social. Nous, on est là pour péter des clavicules, je le répète. Donc on a poignardé un pillard. Carrément. Voilà. Donc. Vous vous préparez à partir avec votre frère pour une mission de vengeance et de sauvetage. Voici votre personnage. Cliquez sur terminer si vous êtes prêt. Vous revenez en arrière pour faire des changements. Donc déjà, on va l'appeler Godefroy de Montmirail. Ah, tu colles le nom? Ouais, tu Oui, je colles. vais vous expliquer pourquoi. D'accord. J'ai collé parce que là, je peux cliquer sur suivant. Si je mets un espace, c'est un caractère pas reconnu et je ne peux pas Ah, cliquer ok, sur suivant. d'accord. Voilà pourquoi j'ai dû mettre Godefroy de Montmirail comme ceci. André le André pâté. le C'est pâté, ça, Sam. oh C'est ça. Alors, culture. Nous sommes Vlandia. 20% d'XP en plus pour les troupes lors des batailles. La famille serviteur d'un baron. 10 niveaux de compétences et un point de focalisation sur équitation et l'arme d'ast. La petite enfance, votre souci du détail. L'adolescence chassée en petits groupes.
Jeune, vous entraînez avec l'infanterie. Jeune adulte, vous avez bien traité les gens. Et histoire, vous avez poignardé un pillard. Tout ceci me donne mon personnage. Voilà. Bon, Maintenant, on valide. on valide. Et normalement, on est bientôt parti. Donc, déterminez la difficulté du jeu. Donc, à quel point le jeu va être compliqué. Donc, activez la mort. Ça, je vous le dis, je vais pas l'activer parce que vous perdez votre héros. S'il meurt Bien sur fait le ma champ de chère. bataille, vous le perdez Joue un petit peu définitivement. Et d'attente. moi, mon but, c'est pas de perdre Godfrey, ça Eh bah non. m'intéresse pas. Non, activer. Ah oui, bah non, activer la Attribution mort. automatique de compétence aux membres du club. Du club. Du clan. Du clan. Je vais pas le cocher, je préfère le faire moi-même. Parce qu'il y a des compétences que si vous mettez en automatique, ils vont attribuer les compétences, mais pas forcément celles dont vous avez besoin. Faut savoir que dans le jeu, vous pouvez finir roi, si vous menez bien la chose roi. Dégâts reçus par les troupes alliées. Réduit. De un tir. Moi, je vais mettre Ouais, réaliste. bah d'accord. Je suis là pour en Ouais. baver. Ouais, puis faire Voilà. de la simulation un petit peu justement réaliste tout ça, donc C'est ça. Par contre, les groupes alliés, non, je mets en un tiers, bien évidemment. C'est le kill, c'est le friendly kill. Donc, entre nous, quoi, dans les combats. Donc, je le mets à un tiers parce que sinon, ça va être pénible, quoi. Ah oui. Le moindre coup d'épée, quand il va y avoir des grosses batailles avec beaucoup de persos, dès que je vais donner un coup d'épée dans le truc, je vais dézinguer tous mes soldats avant de détruire un autre, quoi. Donc, ça, c'est pas cool. Donc, ça, par contre, on le réduit d'un tiers. Dégâts reçus par le joueur, là, par contre, on va mettre en réaliste. D'accord? Difficulté de recrutement, on va le mettre en réaliste également. Oh, je vais tout mettre en réaliste, de toute façon, on s'en fout. Hop, vitesse de déplacement sur la carte. Donc moi, les déplacements, c'est quelque chose, si tu le mets en... Enfin, moi, si je le mets en réaliste, ça va me casser les couilles, vous voyez. C'est clair. Moi j'ai besoin qu'il speed quoi, donc déjà t'as 10% de bonus au niveau de ta vitesse pour les déplacements. Et croyez-moi, c'est super important. Ouais. Donc voilà, réaliste, 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 réaliste. Donc on va en chier des ronds de boudin, hein, moi je vous le dis. Hein. Sam, faut que tu trouves un enchanteur, c'est ça. Faut que je trouve l'enchanteur pour Merlin. la potion magique. Merlin. Celle qui transforme Jacouille en tas de merde et Godefroy en diamant. Voilà. Et surtout, il me faut mon Jacouillet. Il est où Jacouille? Donc voilà. Activer la mort, non. Attribution automatique de compétences aux membres du clan. Membres du clan, ça veut dire tous les soldats. Au bout d'un moment, ça va être casse-couille de changer tout le monde. J'hésite vraiment à l'activer. Fais gaffe aux sarrasins, ouais, parce qu'en plus, ils ont une boîte, c'est tout en métal et ça a point de bœuf pour tirer. Je peux être Jacouille Jacouille boule. boule. Tu peux, Lolo, tu peux. Ça te fait plaisir. Attribution complète aux membres du clan. Non, je vais pas l'activer, ça va me casser les. Et Glaoui. Donc on y va, démarrer une partie. On est parti, les amis, on passe aux choses sérieuses. Oh, que nenni! Jouir des ménestrels jouer de leurs instruments. Alors, Nogand, mon frère s'appelle Nogand. Mon frère, ça fait 3 jours qu'on traque ces salauds. Je crois qu'on se rapproche. On doit penser à ce qu'il se passera quand on les attrapera. Comment allons-nous sauver Varric et Alda? Sommes-nous prêts à nous battre? Alors, comment dire? Vous vous rappelez, hein, les parents ont été tués et le plus jeune frère et la plus jeune sœur ont été enlevés par les pillards. Hein. Et il me reste plus que mon frère, avec moi, mon deuxième frère. Cliquez pour continuer. Cela ressemble à un ancien terrain d'entraînement pour la Légion. Peut-être pourrions-nous gagner du temps et revoir nos compétences. La pratique pourrait s'avérer utile lorsque nous rattrapons les pillards. Alors moi, je vais suivre le cours. J'ai besoin de savoir que je peux me battre si je dois le faire. Ou nous n'avons pas de temps à perdre, nous pouvons faire plus si nous nous séparons. Alors pensez-vous que nous rattraperons bientôt les pillards? Comment devons-nous nous préparer au combat? Ça, on s'en bat les glaouis clairement. Hein. Mais je vais suivre le cours, donc je vais faire le tuto. Même si c'est un peu casse-couille. Je vais pas faire le tuto pour les armes, genre l'épée à deux mains, tout ça, mais par contre pour épée, bouclier, arc, et combat à cheval, là je vais faire. Allons-y, jouer le tutoriel de combat. Voilà, vous pouvez déplacer avec ZQSD. Donc Z, S, Q, D.
Hop, la souris, c'est votre direction. Donc ça, c'est cool. Godefroy de Montmirail est là. Donc vivement d'avoir des belles armures et tout. Donc l'entraînement, vous l'avez en haut à gauche, les amis. Donc entrer dans la zone d'entraînement. Donc toute la zone d'entraînement est là. Donc entraînement à cheval, entraînement à distance, entraînement au corps à corps et entraînement de mêlée avancée. Donc on va commencer par l'entraînement à distance. Hop. Et on va commencer bah, par l'arbalète déjà. Hop, allons-y. Alors l'arbalète, ok, c'est très puissant. Il n'y a pas besoin vraiment de contre-viser. Hop. L'arbalète, vous avez vu, le temps de chargement, c'est rechargement de l'arme. C'est punitif. Je pense qu'il y a des compétences qui doivent permettre d'accélérer ça après, à l'avenir. Mais là, je suis clairement une buse. En plein combat, par exemple, t'as le temps de te prendre un coup d'épée, quoi. C'est ça. Mais après, c'est pour la distance aussi. Pas le corps à corps, donc c'est... Mais l'autre, il a le temps de te renvoyer une flèche, quoi. Ah bah, c'est clair. Alors, je vais juste... Voilà. Terminé, validé. C'est passé en vert. On est bon. Je me pose la question, avons-nous différentes vues sur le jeu? Avons-nous différentes vues? Options, souris, clavier. Y a-t-il une vue à la première personne? Voir personnage, basculer la caméra. R, C, Tiens, vu la troisième personne, j'ai vu Doudou. Sur basculer à la caméra. Reviens sur basculer la caméra. Entre la première et la troisième. Ok, c'est R hein, du coup. Ouais. Première ou voilà. Ok. Voilà. C'est pas mal. Ah, c'est modélisé, c'est marrant. Hop, prenons l'arc. Prenons l'arc. Allez, c'est parti. Alors l'arc, par contre, c'est déjà beaucoup plus rapide. Ça va plus vite. Ouais. Mais par contre, comme c'est moins puissant, il faut contre-viser. Et vu la direction que prend la flèche, je pense qu'il y a... Oh, faut pas maintenir trop longtemps l'arc bandé. Il y a le sens du vent qui est pris en considération. T'as vu la flèche, comment elle a fait? Hop, Robin des boules. Yes. On est là. Et les lances. Alors, les lances. Je m'en fous un peu. Merci la gueuse. T'es gentille, mais t'es un vrai laidon. C'est ça. Tu es bien bonne, mais tu es un vrai laidon. Ah, la lance, c'est déjà beaucoup plus dur là. Là, faut de la contre-viser là. Hop, alors je vais remettre en vue à la troisième personne, je pense que c'est ce qu'il y a de plus intéressant pour vous. Ouais. Là genre, faut que je vise bien en haut là. Ouais, disons que c'est clair. Ça permet de voir comment faut viser aussi, c'est bien. Ouais. Il n'y a que l'arbalète où tu dois vraiment le mettre au centre en fait. Hein, c'est ça. Pour l'instant. Ils m'ont pas fait de cadeau les bâtards. Merde. Oh non. Ok. Validé. Donc ça c'est fait. Merci la gueuse, tu es gentille mais tu es un vrai laidron, c'est ça. Tu es bien bonne mais tu es un vrai laidron, mon Sam. Allez, on continue. On va faire l'entraînement au corps à corps. Entraînement au cac, alors on va déjà faire avec le boubou. Ça, c'est vraiment ça que je veux faire, quoi. Alors, ça donne quoi quand t'es... Ah ouais, ok. Sympa, ça. Alors. Se défendre. Ok.
Ah, raté. Ok. 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 Ok, validé. Ça va, ça n'a pas été trop compliqué. Hop, on prend. Donc combat à l'épée. Ça, épée à deux mains, ça, arme à deux mains, ça ne m'intéresse, mais pas du tout. Est-ce que tu peux pas tenir ton bouclier et toi tu veux un bouclier? Ouais. Ça va, j'ai pas trop perdu par rapport à l'ancien. Ça c'est bon. Donc ça c'est tout validé, donc c'est nickel. On va aller faire les chevaux. Et après on va finir par l'entraînement avancé de mêlée ici. Par contre, je vous préviens, le truc à deux mains, je vais pas y arriver. L'épée à deux mains, je vais pas y arriver. Hop. Alors, les chevaux, qu'est-ce qu'il faut faire? La lance à cheval, l'épée à cheval et aux armes à distance à cheval. Ok. On va commencer par la lance du coup. Lance Boubou. Je suis monté sur mon fidèle destrier. Donc terminez le parcours et touchez les cibles autant que vous le pouvez. Oh, tiens là. Hop. Excusez-moi, je reviens. Ah, je l'ai raté. Fais demi-tour. C'est pas mal fait cette histoire, hein. C'est pas mal fait. Heureux. Oh là. Oui. Non. Il a disparu parce qu'il est tombé. Ça, c'est des coups. Ça peut arriver des fois. Alors Sam qui demande, Jo, tu seras là ce soir? Oui, normalement. Oui. Normalement, on fait un Normalement. live sur Sea of Thieves avec Lolotte. Normalement, ouais. Ok, pas. La lance, c'est pas mon truc non plus. Hein. Allez, U cannabis. Ok. Puis-je sauter? Eh oui, le cheval saute. C'est un long parcours, c'est un long parcours. Ok, faut regarder le cheval. Je pourrais venir? Bah oui, je pense, mon petit Sam, je pense. Ok, l'épée. Ah, déjà, c'est beaucoup plus. C'est moins évident à l'épée. Hein. À cheval, à l'épée. Parce que l'épée est quand même plus courte.
Mais c'est ça qui nous intéresse, l'épée. What? C'est pas bien ça, faut te casser. What? Bah. Et oui, il y a la direction dans laquelle t'envoies la souris qui oriente le coup. Ouais, je suis passé en dessous. On poursuit. Commence à le prendre en main. Faudrait que je le fasse sur le côté. Sam, oh mon Dieu. C'est ça, Sam. Ah ouais, celle-là, elle est dure. Celle-là, elle est plus vers le bas. Oh bah non. Ouais, on peut être dessus. D'accord. Voilà. Ok, c'est fait. Donc l'arc. Ah, c'est pas mon truc, ça. Yo! Ah ok, maintenant c'est des cibles. Ou alors que ça va. Ouais. Oh. De justesse. Ah, ça se fait bien l'arc, hein, quand même. Hein. Et voilà, ah, j'ai réalisé le meilleur temps avec l'arc, quoi. Ouais, et pareil pour à distance aussi. T'as fait meilleur temps avec l'arc aussi. Ah ouais. Il est bon le coco. Bon, maintenant celui qui me chagrine le plus, c'est l'entraînement avancé du coup. Celui-là. C'est à deux mains, c'est ça? Non, tu conduis, là tu combats vraiment, quoi. Donc je vais commencer par ce que j'arrive le mieux en général, c'est-à-dire celui-ci. Donc faut battre en novice et en vétéran. Oui, c'est l'été en fait. Voilà. Hop, ça lance le combat. Oh, j'ai pris un coup. Allez, go 3!
Alors attends, je vais me mettre en vue première personne pour le délire. Est couché. Maintenant celui-là il est déjà moins drôle celui-là. Celui-là ça va pas être la même trempe. Ah lui il tape hein. Ah là 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 là. Ah il m'a couché. Donc voilà, dur dur celui-là. Ok, donc ok, faut recommencer du coup. Allez, c'est parti. Comment ça, je suis mort? Et pas comme ça, tu vas arriver les enfants. Oui, je te l'ai déjà couché, donc ça c'est bien. Ah et puis il est plus rapide. Ah il m'a recouché. Il m'a recouché le bâtard. T'es obligé de recommencer à chaque fois? Ouais bah j'essaie de finir. Tu peux pas passer à une autre arme et revenir à celle-là après? Si bien sûr. Mais celle-là je m'entraîne beaucoup parce que c'est celle-ci qui va nous intéresser. Coucher Médor. Le novice ça va, c'est dur. C'est dingue tout ce qu'il peut frapper. Il arrive toujours à me dépasser quoi. C'est... Ah j'ai essayé de le harceler de coups mais ça passe pas. Hein. Oh, t'as une autre arme. Ah je crois qu'il fait caca. Sur ce, moi je vais vous laisser. J'ai dit, je viendrai un petit peu sur le live, ouais. Une petite heure, c'est bien. Je vais aller jouer avec ma fille. Et on va aller un petit peu dehors dans notre jardin. Prendre l'air, voilà. Donc je vous souhaite à tous une bonne fin de live.
Bonne fin de live, Doudou. Et oui. Et puis, à très bientôt. Peut-être à ce soir, normalement. Si pas d'imprévu, ça devrait se faire. Donc, normalement, à ce soir. Et merci à ceux qui sont passés sur notre live. J'espère que cette petite découverte du jeu vous a plu. Voilà, merci à tous. Et bonne fin de journée. À bientôt, ciao. Alors voilà, j'ai contribué à la chaîne aujourd'hui, mort de rire. Ah, merci beaucoup Sam, merci d'être passé sur YouTube, ça fait super plaisir, merci à toi. C'est super gentil de ta part, mon petit Sam. Merci Sam. Allez, nous, prépare, ok, je m'absente 30 secondes les gars et les filles, et je reviens tout de suite. Tout de suite tout le monde.
Hop, désolé, j'avais pas réactivé le micro, rip. Et oui, Sam, je suis bien remis d'hier, mon petit Sam. TVA au nord d'ici, vous pouvez acheter des provisions et trouver de l'aide. Marcher aux alentours. Bon, je me sauve mon poulet, des bisous, à ce soir, bise. À ce soir, mon poulet. Bisous, bisous, merci d'être passé sur le live, en tout cas. Alors, nous sommes là, je suppose. Alors, nous avons besoin de nourriture et après, peut-être d'hommes pour venir avec nous. Okay. Le chef ici peut probablement nous aider. Essayons de le trouver. Faut parler avec le chef Morinon. Parler au chef du village. Vous pouvez appuyer sur Left Alt pour voir la position du chef du village. Lorsque vous êtes proche de lui, appuyez sur F pour lui parler. Ok, ah, c'est pratique ça. Putain, ouais. Ils ont vraiment amélioré, hein. C'est très beau. J'adore. Normalement, c'est lui. Ouais. On va lui parler. Alors, je suis Morinon, chef de ce village. Qu'est-ce qui vous amène ici? Nous avons besoin d'aide. Des raiders ont emmené notre jeune frère et notre jeune sœur en captivité. Nous pensons qu'ils sont peut-être passés par là. Ils ont aussi pris vos gens. Navré de l'entendre, ces bâtards ont eu leur lot de massacres et de pillages ici aussi. Donc ils sont passés par là. Nous pensons qu'ils sont partis au nord. Partis au nord, pardon. Je pense qu'il y a ici quelques hommes qui se joindront à vous pour les traquer si vous payez pour leur équipement. Recruter des troupes. Ok. Mise à jour, quête, acheter des céréales, parler au chef Morinon. Ok. Une fois que vous avez fait vos préparatifs, venez me parler à nouveau. J'ai peut-être une tâche à vous confier si vous allez poursuivre les pilleurs. Ok. Ça marche. Alors, journal de quête, acheter des céréales déjà. Acheter deux céréales. Cliquez sur acheter produits dans le menu du village pour acheter des produits. Alors, voyons ça. Achetez de la nourriture, votre frère vous recommande d'acheter deux sacs de céréales, vous pouvez le faire en les transférant dans votre inventaire avec la petite flèche située sur le côté gauche. Ok, céréales. 1, 2. Bon, on va mettre en... Mince. J'en veux pas de la laine. J'en ai acheté 3. Hein. C'est très très bien. Ok, validé. Donc cette musique me dit que ça a été validé. Recrutement, votre frère vous a demandé de recruter au moins 4 hommes avant de faire face au pillard. Vous pouvez recruter des troupes en cliquant sur le bouton recrutement. Recruter des troupes.
Voilà, recrutement en fonction de relations avec eux, les notables peuvent vous aider à recruter des troupes plus nombreuses et de meilleure qualité. Cliquez sur quelques troupes pour les transférer vers votre groupe. 3, 4, 5, 6, on va en prendre 6. Comme ça, on a du rab. Ça coûte cher, mais bon, c'est comme ça. Nous avons terminé nos préparatifs et parlons à nouveau au chef. Il avait dit qu'il pouvait avoir une tâche à nous confier, son amitié nous serait utile. D'accord. Parlez au chef, le menu en haut à droite montre les gens importants dans votre zone actuelle. Cliquez sur le notable pour lui parler. Donc cliquez sur le bouton parler pour retourner voir le notable et en apprendre plus sur la quête. Heureux que vous ayez trouvé ce dont vous aviez besoin maintenant, à propos de ce que j'ai mentionné précédemment. Il y a ce médecin errant qui passe par ici de temps en temps, il s'appelle Tactéos. Il soigne les gens gratuitement, nous l'aimons beaucoup. Eh bien, nous l'avons vu pour la dernière fois il y a quelques jours, il portait une sorte de coffre. Il était très mystérieux, il était dans une sorte de quête, disait-il, mais il ne nous en a pas dit plus. Il est parti sur la route quelques heures avant que les pilleurs ne passent par ici. Ce n'est pas vraiment un homme mondain, juste le genre de type qui tomberait dans un piège et se laisserait capturer. Nous sommes inquiets pour lui. Si vous pouvez garder un œil sur lui, ce Tactéos, nous vous en serions très reconnaissants. Peut-être s'il est vivant et en bonne santé, vous en dira-t-il un peu plus sur sa quête. Pour quitter une mission, vous pouvez maintenir la touche table. Cela vous redirigera au menu du village. Vous pourrez acheter des fournitures et engager de nouvelles recrues. Ok. C'est quoi, pillard? Ça, c'est les fameux pillards qu'il faut éclater, j'imagine, puisqu'ils ont une marque de quête. Ils disaient secourir le voyageur. Alors, regardez autour du village pour trouver le groupe qui a capturé le voyageur dont le chef vous a parlé. Ok, il va falloir tuer trois groupes de pillards. Ok. À chaque fois, ils sont 6. Donc, nous, on en a recruté 6 plus nous, ça fait 8. Nous sommes 8. Eh bien, écoute. On va aller s'occuper d'eux. Voilà. Donc visiblement, ils ont envie de se battre. Donc, vous avez rencontré le groupe de pillards, attaqué. Les ordres de bataille, vous pouvez dire à vos hommes de charger, ouvrant les ordres avec F1 et F3 la charge. C'est l'ennemi arrêté en position, suivez-moi. Oula, bug d'affichage. Ok. Ça c'est pas cool. Donc, on va faire charger F3. Donc ça c'est pas cool ça. Donc voilà, des bugs, hein. C'est une early access. Donc on a gagné la bataille. Désolé, du coup, vous voyez pas. Vu qu'il y a un bug d'affichage, c'est pas cool quoi. Mais bon, c'est comme ça. Tape pour voir les résultats. Victoire. Personne n'est mort, donc c'est parfait. Les 6 bandits sont morts. Donc vous avez gagné 0,7 de réputation et 0,9 de morale. Validé.
Donc il y a de l'équipement là, ça fait plaisir. Une épée à une main. Enfin. Enfin, j'ai envie de dire. Donc on va la mettre à la place de ça. Voilà. Hachette nordique. En attendant, on va la prendre. Donc, je vais essayer de comprendre. Tac. Meilleur niveau d'armure, donc ok, c'est super. Ça, c'est good. Et là, armure de corps, c'est encore meilleur. Oh mon Dieu que c'est moche. Je préfère celle-ci, hein. Ouais. Validé. Ok, donc ça, on est bon. Alors 100%, 100%. Zéro prisonnier ont été faits. D'accord, j'essaie de voir ce qu'on peut faire. Ça, d'accord. Ok, niveau 1 du coup. Je pensais que je pouvais leur donner des vêtements ou autre, mais non. Ah, voilà. Ouais, lui, son armure est meilleure. Ok. Parfait. Validé. Donc on va essayer d'en attaquer un autre groupe. J'espère que je vais pas avoir ce bug d'image noire. Bah, sinon on va arrêter le live là. Si pendant les combats j'ai ce bug de carré noir, faudrait que je trouve une solution pour réparer ça, quoi. Alors là ils sont côte à côte, donc je crois que ce serait une erreur de les attaquer parce qu'ils vont se grouper. Ok, F1, F2. Avec moi! Oh, ils m'ont one shot. Ils m'ont one shot. Incroyable. Rebonjour à toi, utilisateur. Ok, deux couchés. Putain, ils m'ont one shot, je m'attendais pas à ça, quoi. J'ai perdu une troupe. Hein. Yes, bataille gagnée. Là, il n'y a pas eu les carrés noirs. Tant mieux. Bataille gagnée, prestable pour voir les résultats. Ok, j'ai perdu. Ouais. Ok, validé. Alors,
Sauver et en prendre des prisonniers. Après une bataille, vous pouvez choisir de faire des prisonniers, mais aussi parfois de recruter des troupes que vous venez de libérer de leurs ravisseurs. Chaque action s'effectue en transférant les troupes grâce à la petite flèche sur le côté gauche de votre écran. Ok. D'accord, ça c'est les prisonniers. Très bien. Et on va en recruter. Est-ce que je peux? Alors attends. Recruter, presse mage gauche. Mage gauche. Parfois 5, ok. Mais non, là je peux pas recruter. Ok. Ça marche. Validé. Godefroy de Montmirail. Putain, j'ai pris trop cher sur ce combat. J'arrive en pleine guerre, c'est ça. C'est ça, utilisateur masqué, c'est ça. Alors, des brassards, ça tombe bien, j'en avais pas. Hop. Armure au corps, elle est meilleure, celle-ci. Donc on va la mettre. Celle-ci est moins bonne, donc on va juste mettre de côté et on la vendra. Et celle-ci, c'est pareil, moins bonne. De côté. Validé. Ok. Alors. Gestion des troupes. Via. C'est marrant, je peux pas les recruter. Si. Alors attends. J'en veux juste un seul. Visiblement, je peux pas les prendre dans mon armée. Bon. Ok, il y a quelque chose que je ne dois pas savoir. Très bien, validé. Godefroy, comment vas-tu? Comment vas-tu, mon cher Godefroy? Il est revenu à 100%. Ouais, 100%. Nogan, 69. Ça, c'est pour lui parler. Je réapprends le jeu, hein, je suis désolé, c'est un petit peu lent, mais... C'est le temps de réapprendre, quoi. Ok. Rien d'intéressant pour lui, malheureusement. Y a-t-il des points de compétence pour moi? Non. Pour Nogan, Nogand, non. Donc on continue. Et on va aller péter les derniers pillards. Hein. Normalement, ma quête, il m'en manque plus qu'un. Ouais, un groupe de pillards. Donc on va aller s'en occuper. As-tu la promote sur ETS? Alors, je l'ai eu, mais je ne l'utilise plus. D'accord, je joue sur la map officielle. La promote, ouais, non, je joue plus dessus. Voilà, mais je l'ai eu, hein, elle est sympa. Hein. Allez, allons péter des clavicules. Attaquer. Suivez-moi. Allez, bouge de là, bouge de là. Qu'est-ce que ça me propose là? Suivez-moi, charger, avancer, repli, arrêter, retraite, retour, transfert, monture, feu à volonté, faire face à l'ennemi, suivez-moi. Charger. Ah, ils font super mal. Ah, il m'a encore eu, quoi. Incroyable. Ah là, c'est sanguinaire. Hein.
Ok, un de moins. Ah, ils ont mis vachement de sang maintenant. D'ailleurs, j'ai acheté tous les DLC principaux de la carte du jeu. Ils étaient à moins 75% et tout. Du coup, j'en ai profité. Bien. Bien, ça, utilisateur. Okay, on a gagné, mais on a perdu beaucoup de troupes. Hein. Ok. Ok. Du coup, on est arrivé sur la dernière bataille. Hein, je vais avoir des choses à faire, malheureusement. Donc, comme ça, vous avez vu un peu comment ça se passe. Donc, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Alors, pillards, on va pouvoir les vendre. Hop, y a-t-il quelque chose d'intéressant? Ah oui. Bizarre qu'il m'ait dit que c'était plus intéressant. Mais... Prendre et s'équiper, prévisualiser. Non. Achète nordique, bon bah c'est la même, je pourrais la donner à Nogand. Ok, validé. Vous avez plusieurs prisonniers que les pilleurs avaient traînés. Ils ont l'air desséchés et épuisés, vous leur donnez un peu d'eau et de pain. Un peu de temps après, l'un d'entre eux chancelle et vient vers vous. Je ne sais pas qui vous êtes, mais j'ai une dette envers vous. Ces brigands nous auraient poursuivis jusqu'à notre mort. Mon nom est Actéos, le voilà, je suis un médecin de métier. J'étais, eh bien, en quête d'aventure, mais maintenant j'y pense, je ne suis pas vraiment fait pour ce genre de choses. J'étais avec une caravane, ils sont sortis de la végétation, nous étions encerclés et en infériorité numérique. Alors nous avons abandonné. Je me suis dit qu'ils nous garderaient en vie, ne serait-ce que pour la rançon. Mais ensuite, ils ont commencé à nous fouetter à toute vitesse, sans eau, et j'étais sur le point de tomber. Je sentais les signes d'un coup de chaleur se manifester et je leur ai dit. Mais ils m'ont juste fouetté davantage. Si votre groupe n'était pas venu, j'ai peut-être un moyen de vous remercier correctement. Nous cherchons deux enfants capturés par les pillards. Savez-vous de... savez-vous quoi que ce soit? Je crains de ne pas avoir vu d'enfants, mais après que notre caravane a été attaquée, le chef des pillards, celui que l'on surnomme Radagos, est parti en nous prenant tous nos objets de valeur, incluant le coffre que j'avais. Il semblait contrôler... Plus d'une bande qui faisait des raids dans cette zone, si ce groupe a des membres de votre famille, je pense qu'il serait le seul à le savoir. Et puisque je n'ai plus rien de précieux pour rembourser votre aide, je vais vous le dire, si vous attrapez et vainquez ce voyou, vous pourrez peut-être récupérer mon armure, il contient un ornement précieux dont on m'a dit qu'il pourrait être d'une grande valeur si vous saviez où le vendre. J'essayais d'en savoir plus, mais comme je l'ai dit, on m'a fait perdre toute envie de voyager, pour l'instant je ne pense pas que je m'aventurerai plus de 20 pas d'un puits aussi longtemps que je... vivrait. Nous nous en souviendrons. Il ne ressemble à pas grand chose et je soupçonne que ce lot le donnerait pour quelques pièces, mais je l'ai obtenu d'un mercenaire que j'ai traité une fois et j'ai juré qu'il était lié à la folie de Neredzès. Je ne sais pas ce que cela signifie, sauf que Neredzès était bien sûr l'empereur qui est mort au combat il y a quelques années. Peut-être pourrez-vous découvrir la vraie valeur. Merci de m'avoir sauvé encore une fois, j'espère que nos chemins se croiseront à nouveau. Ok. Donc prochaine étape, bon j'essaierai d'avancer dans le jeu un petit peu, hein, bien évidemment. Mais si ça vous a plu, bah pourquoi pas continuer, hein. Plus tard sur d'autres vidéos. Hop, alors, sauvegarder. Sauvegarder sous F1. Hop, valider. Et voilà les amis. Bon, je voulais vous faire
une petite découverte du jeu vite fait pour voir ce que ça donnait. Voilà, j'espère que ça vous aura plu en tout cas. Petite vidéo, petit live sympathique. En tout cas, ce soir, normalement, nous serons, je dis bien normalement, hein, nous serons en live avec Monsieur LOL et Juju sur Sea of Thieves, normalement. Voilà. En tout cas, bah, merci à tous ceux qui sont passés sur le live, ça fait super plaisir. Merci à Monsieur LOL d'avoir hébergé la chaîne, merci à lui. Hein. Un grand merci à toi, mon petit Monsieur LOL. Et on se retrouve normalement ce soir pour un prochain live. Sur ce, bah, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Et je vous dis à ce soir. Ciao, ciao tout le monde, des gros bisous. Peace.